Salut, c'est Mega Driver, c'est sur le jeu Tour de France 2019, ma suite de mon tour avec Warren Barguil et André Greipel, bien sûr, Arkea Samsic. Les Pyrénées à l'heure actuelle, et après avoir fait une vidéo précédente avec deux victoires d'étape, une pour Greipel, une pour Warren Barguil, et bien un monument aujourd'hui puisque le Tourmalet. Le briefing de cette étape, ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Ça sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs. Je pense qu'on a intérêt à anticiper les attaques des leaders en attaquant de loin. Bon courage les gars. Alors pour ce Tourmalet, oui, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'on peut envisager. Est-ce qu'on essaye de faire une place honnête avec Warren Barguil? On ne joue pas le général, hein, bien sûr, mais là, je ne vois pas trop partir en échappée sur cette étape. Donc, en tout cas, avec Warren Barguil, peut-être André Greipel pourrait figurer dans l'étape pour le sprint intermédiaire, là, qui pourrait être sympa. Vu que maintenant, il a le maillot vert, franchement, on va peut-être essayer de le jouer, même si pour moi, ça risque d'être dur. Mais avec sa victoire d'étape, ça a changé la donne. Donc, regardons déjà si Greipel a un état de forme sympathique. Allez, en tout cas, c'est Warren Barguil qui a un bon état de forme. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une courte étape de montagne de seulement 121 km, mais dans un final grandiose. Le col du Tourmalet. Dans le Tour de France, c'est tout simplement le col qui a été le plus souvent escaladé par les coureurs. C'est pourtant seulement la troisième fois qu'une arrivée d'étape y sera jugée à son sommet. Les grimpeurs auront à cœur d'y briller pour succéder à Jean-Pierre Danguillon et Andy Schleck, les deux précédents lauréats là-haut en 1974 et en 2010. Alors, des grimpeurs surtout, on dirait, en prétendant à Guillaume Martin, Perrichon, Rentarmaï qui est un peu plus loin derrière, Roman Kreiziger, il est intéressé aussi. En tout cas, on a déjà une voilà minute d'avance. Un coureur complet, sans réelle lacune. Il grimpe, il roule et il sprinte plutôt pas trop mal. L'étape commence doucement avec une première côte de... Alors j'ai envie de donner une protection bien sûr à Warren Barguil. Voilà, c'est fait. Tiens, Tim Wellens, le voilà, celui qui vise le maillot vert aussi. Le maillot vert, le maillot à pois, pardon. Pas laisser rentrer le contre, autrement vous serez trop nombreux et le... Ouh là là, j'avais pas vu qu'on était déjà au sprint intermédiaire, attention. C'est ici qu'il faut pas se rater avec André. Allez, ses capacités de sprinter, normalement, devraient lui permettre de passer en tête. Oh, quand même, hein, quand même, il faut pas... Il fallait pas trop se rater. Hein. Donc là, maintenant, il va attendre tranquillement. Les autres coureurs, le peloton, et donc maintenant c'est avec Warren Barguil qu'on va se retrouver potentiellement dans le final de cette étape après avoir demandé à notre ami Greipel qui a fait le boulot de nous attendre. Voilà. Il y aura 25, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à se partager au sommet du col pour le classement du meilleur grimpeur.
Encore 5 km pour l'homme de tête. Son avance est faible et tout peut encore se passer. À moins de 3 km de l'arrivée maintenant. Rien ne semble encore acquis pour l'homme de tête. Il est toujours sous la menace d'un retour de ses poursuivants. Bientôt la flamme rouge pour l'homme de tête. L'écart est faible, il ne doit pas faiblir. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Tam Tourvalet. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot jaune de ce Tour de France, Thibaut Pinot. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France, André Greipel. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa... Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérons que pour dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot blanc de ce Tour de France.
super, les gars! Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous! On conserve le maillot vert, c'est bien, les gars. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Ça sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs. Je pense qu'on a intérêt à anticiper les... Observe tes adversaires.
C'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Continuez comme ça. Allez. Plus que 5 km pour la tête. Allez, plus que 5 km pour les hommes de tête. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête.
Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Limoux-Foix, Emmanuel Bourbin. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillot jaune de ce Tour de France. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillot vert de ce Tour de France. André Greipel. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillot à poids de ce Tour de France. Poiret Barguil. Espérons que pour lui la suite se... Il est dans une forme étincelante. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars.